opération de regroupement, K1, relatif au périmètre de consolidation. Une société A détient des participations exprimées en pourcentage des droits de vote. On supposera que le reste des droits de vote de chaque entité est dans une seule main. Sur la base des droits de vote, analysez la nature des relations de A avec les autres sociétés, afin de déterminer son périmètre de consolidation. La société A possède 80% des droits de vote de C. Elle en a donc le contrôle exclusif. C est alors une filiale du groupe A. A possède 60% de D, c'est-à-dire la majorité des droits de vote. En conséquence, D est une filiale de A. C possède 60% de G. Donc on a le contrôle exclusif, G est une filiale de C et une filiale indirecte de A. D possède 80% de H, il en a donc le contrôle exclusif, H est une filiale de D et une filiale indirecte du groupe A. La société G possède 40% de la société K et la société H 20%. Comme elles sont toutes les deux filiales indirectes du groupe A, A possède indirectement 60% de la société K. K est donc une filiale indirecte de A. On suppose maintenant que la société A cède la moitié de sa participation dans la société D à des personnes extérieures. Analysez à nouveau la nature des relations de A avec les autres sociétés sur la base des droits de vote afin de déterminer son périmètre de consolidation. La société A possède 80% des droits de vote de C. C est une filiale du groupe A. Elle possède 30% de la société D. Elle n'a donc plus le contrôle. D est une société associée. La société C possède 60% de la société G. La société G est une filiale de la société C et une filiale indirecte du groupe A. Par contre, la société H, dans laquelle possède 80% des droits de vote de la société D, n'est plus dans le groupe A, puisque la société D n'est qu'une société associée de ce groupe. G possède 40% de la société K, mais la participation de H n'est plus prise en compte.
En conséquence, la société K est une société associée de G et une société associée du groupe A.